Yo Youtube, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui car c'est un grand jour, nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle souris de Razer, la Viper V2 Pro. Elle vient complètement concurrencer la G Pro Superlight avec son poids de seulement 58 grammes et son prix normalement fixé à 150 euros, ce qui est quand même un prix assez conséquent, on va pas se mentir. Je n'ai pas reçu la souris en avant-première par la marque, mais j'ai pu l'acheter en avant sur Amazon car ils avaient publié la page internet trop tôt. Avant de parler plus en détail de la souris, je vais me présenter brièvement. Je suis donc un jour Apex Legends classé master à chaque saison et enseignement Predator. Ma collection de souris est composée de plus de 20 pièces et je possède également plus de 40 tapis de souris. Ma prise en main est généralement ce qu'on appelle un clan pince mais j'utilise aussi de temps en temps un Relax Fingertip. Et cela donc avec une main de 18 cm de long sur 10 cm de large. La Razor V2 Pro est en fait une version mise à jour de la Viper Ultimate, qui est donc la version sans fil de leur modèle Viper. Il y a quand même pas mal de différences entre ces deux modèles d'ailleurs. Le premier est son revêtement, il est ici plus doux si on peut dire, et il ressemble beaucoup à celui de la Roshi V2, plutôt comparé aux autres modèles de Viper. Les grippes qui étaient sur le côté de la souris ont été enlevées, et le poids a été réduit donc également à 58 grammes. Les boutons latéraux sur le côté droit ont été enlevés également, et elles n'ont donc plus conçues pour être utilisées par les gauchers. Les boutons latéraux restants sortent beaucoup plus de la coque, alors que sur la Ultimate ils étaient bien enfoncés dedans pour ne pas en fait les ressentir en fonction de quelle main on utilisait. Le système de rechargement est maintenant aussi de l'USB-C et la feature permettant le rechargement avec une station de recharge a d'ailleurs été enlevée. La forme des patins a également été changée. Au lieu de quatre petits patins avec des formes plutôt droites, nous avons ici deux petits patins assez arrondis à l'avant et un plus grand patin également arrondi sur l'arrière. Il n'y a plus d'espace pour stocker votre récepteur et finalement le capteur a été amélioré pour passer au tout nouveau capteur de Razer, le Focus Pro qui peut monter jusqu'à 30 000 dpi. Bien maintenant que j'ai passé en revue les différences, rentrons dans les détails de chaque élément. Mais avant cela, ben, je te rappelle que si tu veux m'aider et me faire savoir que tu aimes mon contenu, n'hésite ben, pas à lâcher ton plus gros pouce bleu ainsi qu'à t'abonner pour suivre ce qui arrivera sur ma chaîne prochainement. Commençons par son emballage. Il est plutôt simple et j'ai d'ailleurs fait une vidéo présentation unboxing si ça t'intéresse. À l'intérieur, il n'y a pas de deuxième paire de patins fournis avec, mais vous avez par contre des grips qui peuvent être pour moi très utiles. Et ils sont de couleur noire même si la version de la souris est blanche. Par contre, le... De rechargement est bien blanc et ce dernier est un poil mieux que sur leur souris filaire, mais ce n'est toujours pas un bon câble selon moi. Cependant, ici pour une souris sans fil, ça n'a pas trop d'importance. Enchaînons ensuite avec sa qualité de fabrication. Elle a un aspect solide et robuste, peu n'importe où j'exerce de la pression, il n'y a pas de pli, elle ne semble pas fragile. Cependant, elle peut émettre quelques craquements par moment, mais c'est uniquement quand j'exerce beaucoup de pression pour tester si rien ne se plie justement, donc rien à ce sujet lors d'une utilisation normale. Pour son revêtement, il est très agréable et plutôt doux, ce qui est très similaire à la Razer Hoshi V2 comme dit précédemment. Cependant, ben j'ai dû lui rajouter des grippes, car ayant des mains assez douces également, bah ben, en fait cela n'aidait en rien mon adhérence.

Personnellement, les grippes installées directement sur la Viper Ultimate ne me gênaient pas plus que ça, mais c'est une bonne chose qu'ils laissent le choix maintenant en fournissant des grippes externes directement avec la souris. Je n'avais pas encore pu tester les grips de Razer, mais dans ma tier des des grips que j'ai fait précédemment, je les placerai en tiers B aux côtés de ceux de J-Wolf. Ils sont ici moins grippants que ceux des tiers au-dessus, et leur design en losange se ressent un peu trop à mon goût. Pour les patins, donc, ils ont adapté, comme je disais plus tôt, un style plus conventionnel, avec deux patins arrondis sur le devant et un autre en plus grand formant une courbe. Je préfère déjà mieux cette répartition, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas choisi en fait d'agrandir un peu le patin du tout étant donné qu'il y a la place maintenant avec le retrait des pins pour le rechargement, ainsi que l'espace pour qu stocker le récepteur. Ces patins sont plutôt lents au début mais ils se lissent après quelques heures d'utilisation et sont donc beaucoup plus agréables. Ils sont un peu plus rapides que des corepads d'ailleurs. Vous n'avez selon moi pas besoin de les remplacer, ben, sauf si vous voulez en fait ajuster ce contrôle comme je disais. Le bouton pour allumer la souris n'est pas un switch, c'est un bouton en fait que vous devez presser brièvement pour soit changer le DPI, ou maintenir 3 secondes pour l'allumer ou l'éteindre. Tous ces changements sont indiqués par la petite lettre qui se situe en dessous de la molette. Au niveau du capteur, il s'agit du tout nouveau Razer Focus Pro, qui est une déclinaison du capteur Pixar 3950 si je ne m'abuse, donc une souris ne dispose jusqu'à maintenant. Et il est d'ailleurs vraiment très performant. Je vous mentirais si je vous disais que je voyais une nette différence entre ces derniers et d'autres, comme le 3370 ou le 3335, mais j'ai réussi à améliorer pas mal de records sur Kovac et je sais que cela ne vient pas de la forme ni des clics, car ce n'est pas ce que je préfère en fait. Le capteur peut donc avoir joué là-dedans, je n'ai donc aucun problème de connectivité ni de latence à son propos. Au niveau du logiciel et des réglages de ce capteur, tout se fait via Razer 6. Comme tout produit Razer. Je vous conseille de faire la mise à jour de la souris quand vous la recevez, comme pour chaque souris en fait. La souris est réglée de base à 1000 Hz de polling rate et le LOD est réglé sur moyen de base, qui doit correspondre j'imagine à 2000 mètres. Je vous conseille donc de le passer en bas selon vos préférences. D'ailleurs, ce capteur apporte une nouveauté à ce niveau, la personnalisation du soulèvement asymétrique, qui est en fait une personnalisation plus avancée de ce LOD. Je n'ai personnellement pas trop touché à ça, mais si quelque chose que vous voulez optimiser, vous êtes maintenant libre de le faire. Pour la durée de vie de sa batterie, je suis plutôt agréablement surpris. Ils auraient pu mettre une batterie plus légère pour réduire encore le poids de la souris, mais ils ont décidé de ne pas le faire. C'est un très bon point je trouve. Je l'ai chargé à 100% dès que je l'ai reçu et elle a tenu une semaine complète avec une utilisation quotidienne, vraiment parfait à ce niveau donc. Enchaînons ensuite sur la molette, les clics et puis la forme. Pour la molette, elle est parfaite pour mon utilisation. L'écran sont prononcés sans que ce soit trop difficile à faire défiler, ce qui est parfait donc pour le tapstrap sur Apex. Le clic en lui-même est également très bien défini et vous n'aurez pas de clic accidentel et je n'ai eu aucun problème à double clic, qui est donc mon moyen de ping dans Apex également. Les boutons latéraux sont meilleurs que sur les autres modèles de Viper je trouve, étant donné qu'ils ressortent plus de la coque, et je devais donc obligatoirement mettre des grips dessus pour pouvoir les utiliser ou les trouver sans problème. Ici ce n'est plus le cas. Les switches des boutons latéraux de la Viper V2 Pro sont un peu plus légers à activer que ceux de leurs autres souris et perdent donc un peu de feedback à ce niveau. Ils ont également un tout petit peu de trajet après leur activation mais pas avant, ce qui n'était pas du tout le cas sur les autres modèles, cependant ben, rien à voir avec cet effet de rebondi que peut avoir par exemple la G Pro Super Light. Et je n'ai donc pas vraiment de complaint à leur propos. Et pour finir sur les features, nous avons les clics principaux. Et c'est pour moi le seul défaut de la souris, enfin ce n'est pas vraiment un défaut, mais c'est ce que j'aime le moins dans la souris. Leur forme est bonne et votre doigt s'enfonce un peu dans les courbes, ce que j'adore personnellement, comme par exemple la MZ1 pour ceux qui connaissent. Ici, c'est donc moins prononcé, mais c'est mieux que les clics plats, je trouve. Les switches de ces clics sont leurs propres switches optiques de troisième génération qui vous promettent d'être les plus réactifs du marché actuellement, ce qui est une très bonne chose. Cependant, bah, je les trouve en fait un peu durs à activer et j'ai l'impression de ne pas pouvoir utiliser à plein potentiel leur réactivité de ces switches, justement. J'ai fait le tour de toutes mes souris et je ne pense pas avoir de switch à ce même niveau. Même les GM 8.0 les plus lourds à activer que je possède ne sont pas à ce niveau, ils seraient peut-être plus comparables aux GM 4.0, du coup. Bon, ils sont complètement utilisables, hein, bien évidemment, et comme je dis, ce n'est pas vraiment un défaut, mais je préfère une pression plus légère pour mes clics principaux, tout simplement. Ils sont aussi assez bruyant avec un son pas très agréable comparé au clicment fin d'autres switches. Si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres souris razer comme la vapeur normale ou mini, cela ne changera pas trop cependant. J'ai quand même un peu de trajet à faire avant l'activation de ce Switch qui n'aide pas dans ma réactivité, mais je n'en ai pas après. Ma copie de la souris n'est pas non plus parfaite à ce niveau. car Bien que je n'ai pas de problème avec mon clic gauche, mon clic droit me donne quelquefois un feedback supplémentaire lors de ma pression. Ça n'arrive pas souvent, mais je me demande si cela se dégradera dans le futur. Je ne sais pas si c'est propre à ma copie d'ailleurs. Cela ne me dérange pas en jeu, mais pour un prix de 150 euros, je vous avoue que je m'attends à avoir aucun problème de qualité. Je vous laisse donc maintenant d'ailleurs avec un rapide sound test. Pour finir cette review, nous allons maintenant parler de sa forme. Elle est similaire à la forme de la Viper filaire Wika ou Ultimate, c'est-à-dire une taille plutôt moyenne. Et elle est donc évidemment plus grande que la Viper Mini. La forme existe depuis maintenant pas mal de temps, donc je ne vais pas vous l'expliquer en détail. Mais en comparaison avec la Logitech G Pro Super Light, elle est plus plate et plus large. Un peu comme si vous aviez pressé la Super Light pour l'aplatir. Personnellement, de manière générale, je préfère la forme de la G Pro car, dans ma prise en main, en fait, il me faut une bonne hauteur sur le côté pour pouvoir exercer de la pression avec l'entièreté de mes deux derniers doigts. Mais la forme est assez permissive quand même. Elle pourrait convenir en fait aux utilisateurs de Pan Grip aimant avoir leurs doigts plus tendus, aux utilisateurs de claw grip voulant pas trop de contact au milieu de leur paume mais plus en fait avec un contact plus large au niveau du bas de celle-ci. Et elle est plus adaptée pour le fingertip, je trouve, étant donné que vous aurez plus de manœuvre dans vos mouvements car la rampe de la souris en fait n'entrera pas en contact aussi vite avec votre main et c'est d'ailleurs pas au même endroit. Car c'est vraiment dans bas de votre main que le contact se fera. Pour ma conclusion, je commencerai par indiquer que si vous avez une Viper Ultimate actuellement, je ne sais pas trop si débourser 150 euros dans cette version améliorée est vraiment un bon mot à faire. Surtout si vous avez par exemple la station de recharge, car c'est une feature que vous perdrez en fait. La souris est forcément meilleure, surtout si vous préférez les souris plus légères, mais la Viper Ultimate est déjà une très bonne souris à la base. C'est donc à vous de voir selon votre budget. Personnellement, si vous me donniez cette Viper V2 Pro à l'identique avec la forme de la G Pro Superlight, ainsi que peut-être des clics excellents à base de gem 8.0, elle pourrait clairement être ma souris principale. Elle ne le sera malheureusement pas cependant je pense qu'elle restera sur mon bureau un petit temps si par exemple j'ai envie de changer entre deux reviews. C'est donc tout pour ma review et mon avis de la Razer Viper V2 Pro. Il me semble que l'annonce de sa sortie est prévue pour aujourd'hui, et si un lien Amazon est disponible, je vous mettrai mon lien filé dans la description si vous êtes intéressé et que vous voulez soutenir mon travail. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu et a su te renseigner un maximum sur cette souris, et si c'est le cas, n'hésite ben pas à lâcher un petit pouce bleu ainsi qu'à t'abonner pour continuer à suivre toutes mes futures publications. Je vais maintenant te laisser avec du gameplay réalisé avec cette souris, et j'espère donc te revoir dans un futur proche. A bientôt Mais arcs, qu'elle passe à des endroits Je comprends pas, genre.